Un petit problème technique avec notre coach qui est déjà là actuellement. Donc je vous remercie de l'attendre et voilà, j'enverrai l'invitation à notre entraîneur pour qu'il soit avec nous. Avant ça, on aimerait entendre l'hymne national et après on va prendre notre entraîneur qui est déjà en ligne avec nous cette fois-ci. Donc juste on entend l'hymne national et c'est bon. Maintenant, tout est bon. Maintenant, tout est bon. On attend qu'il y ait du monde aussi. Donc, comme vous le voyez, comme vous le savez, aujourd'hui, on a notre invité du jour, Emmanuel Trégouat, l'ex-entraîneur de l'équipe nationale du Tchad. C'est un Français. Il a été avec l'équipe nationale de 2014 en 2015, où il a remporté le premier trophée, le premier titre des SAO du Tchad, qui est la Coupe de la CIMAC, qui a été encore rappelé l'année dernière. Où il a fait plusieurs matchs, où on va tout en parler de ça tout à l'heure. Donc, une minute avec l'hymne national, s'il vous plaît. Bon, merci beaucoup de votre attention. Donc, on enverra l'invitation à notre invité du jour, déjà avec nous. Donc, merci beaucoup. Donc, on attend juste qu'il soit là avec nous, Monsieur Emmanuel Trégouat. Vous avez reçu ma demande? Attendez, je ne sais pas s'il a reçu ma demande. Je lui ai envoyé une demande. Bonjour. Bonjour, coach, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, merci. Merci beaucoup. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation, coach. Et merci d'avoir aussi nous permettre d'avoir quelques minutes avec vous et de parler de notre passion qui est le football tchadien et qui est aussi votre passion à vous. Donc, je crois. Donc, pour présenter Monsieur Emmanuel Trégouat, ex-entraîneur des SAO du Tchad, né le 26 septembre 1962, 58 ans. Donc, pas vieux pour son âge, hein, a plein, plein d'expérience. Et voilà, donc on est là pour parler du football tchadien, comme d'habitude. Donc, coach, bienvenue parmi nous. Merci Et beaucoup. donc, merci. Et on voudrait déjà savoir, coach, votre parcours en tant qu'entraîneur et d'ancien jusqu'à maintenant, en fait. Pour comment vous êtes arrivé à les SAO, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous nous racontez un peu votre parcours, votre histoire à vous. D'accord. Bon, bah, je vais essayer d'être concis parce que, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, je te tutoie. Hein. Comme tu l'as dit, on se tutoie dans la vie, donc on se tutoie sur le poste. Donc oui, comme je te le disais, comme tu l'as dit, bah, j'ai 58 ans, donc j'ai une expérience assez riche. Donc j'ai fait beaucoup de clubs, j'ai fait beaucoup de missions. Donc on va pas revenir sur tout. La seule chose, c'est que voilà, j'ai une assez grosse expérience au niveau national, en France, et aussi avec les jeunes, avec la formation. Je suis arrivé un petit peu par hasard avec le Tchad, puisque bah, pour rappeler rapidement, c'était Kadra Salé à l'époque qui avait mandaté un agent pour trouver un sélectionneur européen et français. Et donc c'est comme ça que je suis venu une première fois au Tchad en 2014 et 2015, avec, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, le premier et le seul titre du Tchad, donc la coupe de la CEMAC. Ensuite, bah, moi, au bout de mon contrat de 18 mois, on n'a pas renouvelé le contrat, donc la fédération et moi-même. Donc je suis revenu en France, j'ai retravaillé, j'ai regagné des titres. Et ensuite, bah, le ministre Mahamat Abdoulaye m'a rappelé. Bon, je pense un peu aussi avec
le président des Billes, donc ils m'ont fait appeler. Et puis, je suis revenu au Tchad donc, en août 2019 avec des missions très, très rapides, puisque moins de 10 jours après mon arrivée, il y avait une double confrontation contre le Soudan pour la qualification aux phases de poule de la Coupe du Monde. Et un mois après, il y avait la qualification pour comment dire, les phases de poule pour la CAN contre le Libéria. Donc moi, quand je suis arrivé, j'ai signé un contrat d'un an, mais avec un contrat objectif, c'est-à-dire qu'on s'était mis d'accord avec Monsieur le ministre que si j'échouais dans les deux missions, que ce soit la qualification contre le Soudan ou contre le Libéria, eh ben, on arrêtait là, à moins de vouloir travailler sur autre chose. On s'est qualifié, donc on a perdu on s'est fait éliminer contre le Soudan, mais le Soudan quand même est une bonne équipe, hein, contrairement à ce que on avait pu entendre, lire, alors déjà lors de notre élimination et ensuite lors des matchs amicaux où on avait vraiment perdu de très peu à N'Djamena sur la double confrontation, puisque le Soudan vient de se qualifier pour la phase finale de la CAN. Donc voilà, donc pendant un an avec Monsieur le ministre, on a beaucoup travaillé. Il est dommage que la Covid, même si ça a un petit peu embêté et puis retardé tout le monde, mais nous, ça nous a vraiment beaucoup retardé parce qu'on était dans une phase où, avec le DTN, les adjoints et la fédération, on était sur des détections. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Turquie. On avait fait les détections, pardon, à Abéché, à Biltine, et on devait partir dans le sud au mois de mars quand tout a été arrêté. Ensuite, on avait aussi bien travaillé au niveau de l'équipe nationale, puisque on avait fait aussi un stage de détection en France où j'avais eu le plaisir de t'accueillir, puisque c'était un stage au Camp des Loges sur les installations du PSG avec un match amical contre la réserve du PSG, avec beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs qui avaient moins de 20 ans, moins de 22 ans, et donc des joueurs qui je voulais préparer pour les qualifications au CAN U20, U17. Suite à ça, donc, on a fait la qualification contre le Libéria. Et ensuite, avec comment dire, un souvenir humain extraordinaire, la qualification à N'Djamena au pénalty, c'était vraiment un souvenir qui, pour moi, reste dans mes plus beaux souvenirs d'entraîneur. Et ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier. Parce que quand on a pu voir tous les spectateurs, les fans, voilà, les supporters, parce que au Tchad, ce sont des supporters des SAO, rentrer sur le terrain, voilà, être content, communier avec les joueurs, le staff, tout le monde communier ensemble, le public, les officiels. Je pense que voilà, c'était vraiment un très très bon souvenir. Ensuite, il y a eu les matchs de qualification, donc avec une première défaite 2-1, comment ça s'appelle, en Namibie. Alors il faut aussi savoir qu'on était tombé dans un groupe difficile, puisque que ce soit la Guinée, la Namibie ou le Mali, les trois équipes étaient qualifiées pour la CAN précédente. Donc, c'était des équipes qui étaient déjà allées à la CAN. Donc, une défaite, oui, défaite, mais quand même honorable en Namibie, avec un but à la fin, alors qu'on était revenu au score. Ensuite, une défaite chez nous, bien sûr, contre le Mali. Mais je pense que le Mali, ça sera un des quatre premiers de la prochaine CAN. On verra, on en reparlera. Mais c'est vraiment une très, très bonne équipe. Avec des joueurs qui jouent ensemble depuis U17, U20 et qui ont été au championnat du monde U20 et qui avaient bien, bien figuré. Et ensuite, donc, il y a eu juste avant que le Covid vienne tout arrêter, on était allé faire un match amical, comment que ça s'appelle, au Bénin, ensuite au Cameroun, ensuite au Bénin, avec de bons résultats parce que c'était quand même les équipes CHAN pour les deux pays, dont le Cameroun qui préparait le CHAN. Et un bon match nul au Bénin et une défaite 2-0 au Cameroun contre une belle équipe avec la première sélection d'un de nos joueurs à qui je rends hommage puisque malheureusement il s'était fait une double fracture tibia péroné sur ce match. Je parle de Marvin Hassan. Donc ensuite, la Covid a tout arrêté. Et puis on est revenu, moi je suis revenu fin juillet, début août au Tchad, puisqu'avant il n'y avait pas de vol, ouais, je suis en août. Donc double confrontation contre le Soudan, donc ce qui était avec des résultats, je sais pas si tu te rappelles les matchs, mais on perd 3-2 le premier match et on perd 2-0 le deuxième match, tout en sachant qu'on gagne 2-1, on rate un penalty, et puis bon voilà, on fait des grosses grosses erreurs défensives,
Et là, encore une fois, sur ces deux matchs-là, j'avais essayé beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs qui n'avaient pas l'habitude des sélections, alors que ben, si on regarde bien l'équipe du Soudan, ils n'ont que deux joueurs qui jouent en dehors du pays. Tout le reste, c'est des joueurs qui jouent dans les deux clubs principaux, à Khartoum et puis à Mbassam, là, la ville d'à côté. Donc ça, et puis ensuite, il était prévu de faire un tournoi au Niger, donc tournoi que l'équipe a fait par la suite, mais où moi je n'étais plus, puisque le ministre, bien que quand je suis rentré de France, donc au mois d'août, avait fait un nouveau contrat, m'avait assuré vouloir continuer à travailler avec moi. La fédération avait signé le contrat, moi j'avais signé le contrat, et monsieur le ministre ne l'a jamais signé. D'accord. Voilà en fait, résumé un peu. Ouais, moi personnellement, enfin, j'ai connu tout ça. J'ai connu tous ces moments avec vous en tant que fan de football tchadien. Donc, je connais, mais il était important pour nous d'entendre ce Bien sûr. parcours venant de vous. Donc, merci d'avoir. En fait, nous, maintenant, on rentre dans le vif du sujet qui sont nos, des questions. Donc, vous voyez ce que le football tchadien vit depuis des années et des années. Donc pour vous, coach, c'est quoi les principaux problèmes du football tchadien? Alors, bon, déjà, il faut savoir qu'il y a un proverbe en France qui dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc moi, je vais parler en mon nom propre et par rapport aux deux expériences que j'ai pu avoir dans ce merveilleux pays qu'est le Tchad. Je pense que quel que soit le pays, la nation, tant qu'il n'y a pas une bonne entente entre le ministère et la fédération, ça ne peut pas fonctionner. Les deux fois où là le Tchad est en grande difficulté, c'est parce qu'il y a vraiment une grosse opposition entre la fédération et le ministère. Il y a 4 ans, ça a valu, il y a 5 ans, ça a valu les stades fermés à double tour, les élections qui sont, comment que ça s'appelle, perturbées, les matchs qui n'ont pas lieu, la suspension. Donc ça, c'était il y a 5 ans. Et on se retrouve à 5 ans après avec exactement les mêmes problèmes. Pas forcément les mêmes personnes, puisque oui, la fédération, c'était les mêmes, mais le ministère, ce n'était plus, ben, ce n'est plus le même ministre. Hein, puisqu'il faut savoir que ben, moi, mais les premiers 18 mois où je suis resté, j'ai connu 3 ministres et 4 ministres même presque. Et là, ben, j'en ai connu 2 en 1 an. Donc à partir du moment où déjà il n'y a pas d'entente entre la fédération et le ministère, c'est très compliqué. Ensuite, ce qu'on peut aussi dire, c'est que tant que les gens ne seront pas là pour l'intérêt du Tchad, pour l'intérêt du football, mais pour leur propre intérêt, leur intérêt personnel, ça ne pourra jamais avancer. Parce qu'on s'aperçoit que souvent les problèmes arrivent parce que des gens sont très ambitieux. Le football, c'est un sport qui génère beaucoup, beaucoup d'argent. Et ben, chacun veut prendre une part de cet argent, mais sans penser à l'avenir des jeunes Tchadiens, à l'avenir du football et à l'avenir du Tchad. D'accord. Mais les problèmes pour vous, les problèmes ne sont pas encore plus profonds par le manque de centres de formation, Ah par si, bien sûr. les... Si, bien sûr. Mais donc, par exemple, pour pouvoir jouer au foot, la première des choses, il faut des stades. Quand on voit l'état des stades au Tchad, ben, c'est catastrophique. J'ai eu l'occasion d'aller à Abéché, de voir le nouveau stade qui avait été fait, donc c'est parfait. À Biltine, il y a un stade qui pourrait être merveilleux. Il y a des tribunes. Ben, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller, mais tu as ce qui pourrait servir de vestiaire, où tu as tous les sièges pour mettre dans la tribune. Tout est dans des locaux. Et il manque plus qu'à refaire la pelouse, voilà, soit synthétique, soit. Mais ça fait. Bah, quand moi j'y étais allé en décembre 2019, le responsable de la région nous avait dit que donc le ministre avait arrêté les travaux parce qu'il y avait eu quelques malfaçons. Mais plutôt que de reprendre les malfaçons, tout avait été arrêté. Et quand je suis revenu, bah, en août 2020, il n'y avait rien qui était reparti. Et ça faisait déjà 6 mois que c'était arrêté. Ensuite. Quand on voit l'état du stade Mahamatouya, l'éclairage n'est pas bon, la pelouse n'est pas, ben la pelouse, le synthétique n'est pas bon, les vestiaires sont insalubres, c'est sale, ça sent pas bon. Donc ça, ce sont logiquement des infrastructures qui appartiennent à l'État,
Donc, charge à l'État, donc au ministère de la Jeunesse et Sport ou d'autres ministères, de les entretenir. Quand on voit aussi le stade de Diguel, dans quel état il est, bon, moi j'ai les photos évidemment, puisque j'y suis allé. Là, j'ai vu sur la Seine-Sao, j'ai vu qu'il y avait des photos qui avaient été remises. En 2014, nous, avec l'équipe nationale, bon, le stade n'était pas fini, il n'avait pas encore été livré, il avait été fait par les Libyens, mais bon, je sais qu'il y avait eu un problème de paiement. Bon, il restait quelques petits trucs à finir, mais la pelouse, elle était magnifique. Et avec l'équipe nationale, pour préparer nos matchs, on allait là-bas, comment dire, sans spectateur, je ne sais plus comment on dit, à huis clos, pour s'entraîner, tellement la pelouse était bonne et tellement c'était bien. Donc, la première des choses, voilà. C'est de faire des terrains. Il y a l'État qui a signé un contrat avec la Chine, je pense, pour des terrains. Bah, moi, quand je suis arrivé en 2019, au tout début, je suis allé aussitôt voir le chantier, voir où c'était, parce que je suis très curieux et ça m'intéressait. Et a priori, donc c'était il y a un an et demi, et a priori, il y a un an et demi, depuis un an et demi, rien n'a été fait. Et les contrats avaient été signés il y a 2 ans, et il n'y a pas eu grand-chose de fait, à part poser la première pierre. Mais bon, c'est pas suffisant. Donc ça, c'est vraiment la base. La base, c'est d'avoir des terrains où on puisse jouer. Ensuite, une deuxième chose très importante, comme tu disais, bah, c'est comment dire, Farsha. Farsha, ça a été construit en 2011. On est en 2021. Il n'a jamais vraiment ouvert. Il y avait eu quelques détections, mais un enfant était mort du paludisme. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais toi, tu devais être très très jeune, parce que c'était en 2012 ou 2013. Et donc voilà. Et ensuite, bah, ça a servi de dortoir, ça a servi, bon, pas pour comment dire, la fonction que ça devrait être, d'être un stade et un centre de formation. Alors oui, il y a un terrain qui est pas mal, donc tout le monde joue dessus, mais tu vois l'état des grillages, tu vois, bon, c'est sale, c'est pas remis à niveau, et voilà. Donc il y a vraiment un manque d'entretien des infrastructures, donc que ce soit les terrains ou que ce soit le centre de formation de Farsha. Donc ça, c'est vraiment la base. Mais après, comment dire, avec le DTN, parce qu'on a vraiment beaucoup, autant la première fois où j'étais venu avec le DTN, il n'y avait pas tellement de... voilà, on parlait, on échangeait, mais il n'y avait vraiment pas de travail en commun. Autant avec Modou Kouta, on a fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses, sincèrement. Et là, il était prévu, bah, justement, la réouverture de Farsha, il était prévu de mettre en place les championnats de jeunes, parce que là aussi, comment tu veux que les jeunes soient formés si comment dire, ils sont dans des académies qui se débrouillent plus ou moins comme elles peuvent avec très très peu de moyens. Hein, j'ai vu des académies qui n'avaient pas de ballon, j'ai vu des académies. Bon voilà, c'était compliqué, ils jouaient sur des terrains qui ne sont pas des terrains. Donc ça, et suite à ça, bah, comment veux-tu qu'un jeune qui n'a pas eu toute sa formation, quand il arrive à 16 ans dans un club de première ou deuxième division, bah, il a beaucoup de manques, il lui manque beaucoup de choses, donc il ne peut pas être performant tout de suite. Donc ça aussi, les championnats de jeunes, c'était vraiment une priorité, et avec le DTN, on avait vraiment travaillé là-dessus. On avait aussi travaillé pour intéresser les autres régions, puisque le fait d'avoir, je pense que c'était exceptionnel qu'il y ait un joueur comment dire, Al-Bouri, qui venait de la province, qui soit sélectionné en équipe nationale. À part des joueurs qui venaient jouer à N'Djamena et ensuite étaient sélectionnés, c'était très très rare que les joueurs provinciaux soient sélectionnés. Donc nous, on en avait présélectionné 5. Ensuite, sur les 5, on n'en a retenu qu'un dans un premier temps, même si un garçon comme Tarbo, qui était jeune, aurait pu aussi être dans les moins 23, dans les moins de 23. Et donc voilà, donc il y avait vraiment quelque chose, un travail qui commençait à être construit, mais comme je te disais, bah, des problèmes de personnes, des problèmes d'ego, des problèmes de pouvoir ont fait que bah, tout s'est arrêté. Donc, en fait, je voudrais plus rentrer dans les détails des problèmes. Pour vous, le problème du football, c'est pas, en fait, on a tendance à dire que le problème du football est un problème, c'est un problème d'organisation, c'est un problème de manque de vision, c'est un problème de leadership aussi. Et donc, pour vous, c'est pas aussi un problème fédéral ou étatique? Oui, bien sûr, c'est aussi un problème fédéral. Hein. Moi, lors de mon premier passage, j'ai pas toujours été d'accord avec la fédération, mais je peux te certifier que sur le deuxième passage,
Ils étaient vraiment à l'écoute. Beaucoup de choses que, bah, la preuve, hein, on a fait beaucoup plus de matchs amicaux, on a fait des détections, des choses que j'avais demandé lors de mon premier passage, mais qui n'avaient pas été acceptées. Mais sur le deuxième passage, ils ont pris conscience que toutes ces choses-là, c'était important et c'était primordial et qu'il fallait vraiment aller de l'avant. Après, bon, voilà, les problèmes de personnes entre les deux institutions. Je pense que dans un pays comme le Tchad, il n'y a pas suffisamment de gens motivés, investis et même peut-être compétents pour qu'on puisse se séparer et se priver de certaines personnes. Donc je pense que dans chaque camp, il fallait prendre les meilleurs, tous ceux qui étaient motivés, tous ceux qui avaient envie. Pour ce qui est de la fédération, oui, il y a des choses qui n'allaient pas. Mais moi, ce qui me paraît quand même bizarre, c'est que, et tu es bien placé pour le savoir, c'est que Monsieur le ministre était arrivé en juillet, les élections étaient qu'en décembre. Pourquoi attendre décembre pour retirer l'agrément de la fédération et pourquoi pas essayer entre juillet et décembre de préparer les élections avec des juristes comme, bah, comme ton père, avec des gens, même Jafet Endoram, pourquoi pas le faire revenir avant? Pourquoi attendre décembre et au moment des élections et de tout arrêter, de retirer l'agrément, tout en sachant que tu sais très bien que quand tu retires l'agrément d'une fédération, la FIFA va toujours donner raison à la fédération. Le Tchad l'avait vu une première fois, on s'est dit bah, peut-être qu'ils ont compris, et puis bah non, puisqu'ils refont exactement les mêmes erreurs. Donc je pense que dans les textes, il y avait beaucoup de choses à changer, mais entre juillet, lors de son arrivée, et puis bah, décembre, les élections, pourquoi ne pas faire justement un comité de normalisation au niveau des statuts de la fédération, les choses qui n'allaient pas les changer, modifier, mais depuis juillet, on pouvait aussi travailler à la réfection du stade Mahamadouya, par exemple, ou Paris-Congo. Parce que pourquoi attendre maintenant et voilà, à partir du moment où l'État se doit de travailler sur les installations, bah pourquoi ne pas le faire dès son arrivée en juillet? Pourquoi attendre et que le football s'arrête? D'accord. En fait, en parlant de votre parcours, j'ai oublié de souligner un point qui est très important pour vous. On a vu que vous avez fait beaucoup, beaucoup de détections. Personnellement, pendant tous les sélectionneurs qui sont passés à la tête de l'équipe nationale, vous avez été le plus qui a fait des détections, qui a eu une base de données aussi large. Je me rappelle aussi de votre détection contre les PSG dont j'ai été convoqué aussi, qui a été vraiment une expérience très très riche pour moi, pour même pour les autres, et aussi pour votre détection que vous avez fait à Lille. J'ai des amis qui ont eu la chance de participer et qui m'ont témoigné de vraiment que c'était vraiment des bons trucs, et ça donne vraiment aussi envie de défendre cette équipe nationale et aussi d'envie d'être aussi d'aller chercher plus haut, d'être professionnel. Donc pour vous, parlez-nous en fait de vos détections, de vos bilans. En fait, de vos bilans, en gros, le bilan que vous avez fait avec l'équipe nationale Bah, en termes de ouais, bien détection, en sûr. termes de choses Bah, positives. pour moi, le bilan, il est positif parce que moi, j'ai été repris, on va dire, pour essayer de qualifier l'équipe nationale pour la CAN. Tout en sachant qu'on est reparti d'une équipe qui n'avait rien fait pendant 4 ans. D'accord? On s'est qualifié donc pour la première phase de poule, même si hein, après on savait que ce serait très compliqué, mais on savait aussi qu'avec les matchs amicaux plus les 6 matchs là officiels, ça nous faisait entre 10 et 12 matchs pour engranger de l'expérience. Moi je l'avais dit au ministre précédent, c'est que il y avait très peu de chances qu'on se qualifie pour cette CAN-là, mais en revanche pour la CAN d'après, on aurait été vraiment compétitif si on avait continué sur cette lancée. Donc les différentes sélections qu'on a faites, ben c'est au PSG, on a fait une sélection avec des joueurs qui jouent en France, certains qui étaient déjà internationaux, comme Morgan, comme Ange, comme voilà, mais aussi beaucoup, beaucoup de jeunes. Ben toi, à l'époque, tu avais 20 ans, plus d'autres, ou 19 ans même, plus d'autres qui avaient à peu près ton âge. Il y en avait un qui était dans un centre de formation en France, au Havre, qui avait 17 ans. Et donc voilà, il y avait vraiment de la qualité. Quand je suis allé en Turquie de la même façon, c'était des étudiants, mais il y en avait vraiment, sauf 3 ou 4 qui jouaient en Turquie. Il y en a deux qui étaient dans un club de deuxième division en Turquie. Et là aussi, c'était déjà de voir beaucoup, beaucoup de joueurs. Lors de mon premier passage, en fait, il y avait, allez, 30, 35 joueurs qui pouvaient jouer en équipe nationale.
Là, à la fin du deuxième passage, il y a 200 joueurs qui peuvent jouer en équipe nationale. Ils n'ont pas tous les mêmes qualités, mais au moins, voilà, entre les U17, les U20 et l'équipe A, ça faisait environ une base de données. Donc, alors, les 200 ne peuvent pas jouer, mais au moins 60, une soixantaine qui peuvent jouer. Et après, c'est 200 joueurs en plus sur qui on peut continuer à voir. Et puis, il y a des joueurs qui sont peut-être moyens en ce moment, mais qui vont progresser. Il y a le petit qui est parti, qui était à, comment dire, qui a pris les mesures, oui, non pas pris les mesures, à Épernay, je sais plus son nom, tu sais, Béchir. qui était parti à Metz, comment tu dis? Béchir. Béchir, voilà. Ouais. Donc ça, c'était des petits sur lesquels on pouvait vraiment compter. Donc plus, quand on a fait les détections dans le nord du pays, bon, bah, on en a présélectionné 5, mais après, on savait que les autres existaient, on savait que. Et à chaque fois, chaque année, il était prévu bah, de continuer ces détections, de voir d'autres joueurs, de voir. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont été pris, et de la même façon sur N'Djamena, mais ça permettait aussi avec. Bah, moi, j'ai assisté donc aux phases finales, puisque j'ai vu tous les matchs. Donc, avec le staff, on avait noté des noms de joueurs bah, qui n'étaient pas de N'Djamena et qu'on aurait pu revoir sur des présélections plus tard. Donc, je pense que ça a été positif, même si, bah, de toute façon, bah, avec les deux forfaits, on ne pouvait pas se qualifier. Mais au-delà de ça, on a quand même fait 1-0 perdu en Guinée, un match nul chez soi contre la Guinée. Donc, c'est quand même des résultats qui sont probants. Et donc, ce n'est pas juste sur le match, c'est le travail qu'on avait fait pendant un peu plus d'un an à Mais revoir le coach, les joueurs, faire les ils choses, quoi. disent que, enfin, il y a des rumeurs, enfin, ce que les gens disent, ils disent qu'après qu'il y ait un changement d'entraîneur, l'équipe a changé de visage. Par exemple, le match contre le Niger, où on a vu que les Sao, ils ont vraiment fait une très bonne prestation. Et après, il y a les deux matchs contre la Guinée, où on a vu vraiment les Sao très très bien jouer contre une équipe où ils étaient outsiders. Contre une équipe qui était vraiment fort au papier quoi, par rapport au Tchad. Et même malgré ça, on a vu une équipe du Tchad qui les a tenus à tête et on a même failli gagner cette équipe de Guinée, de Naby Keïta. C'est vraiment dommage. Après, bon, bah, les joueurs, c'était à peu près les mêmes. Il y a peut-être des choix aussi. De toute façon, quand on perd, c'est facile, hein. Mais bon, le match en Guinée, même si le gardien, il a soi-disant fait un bon match, le but, il est de sa faute. Donc, un gardien, il est là pour arrêter les ballons. Donc, bon, voilà. Bon, moi, personnellement, ce n'était pas mon gardien numéro un. Et puis, bah, l'avenir a prouvé que j'avais raison, puisque. Oui, il a fait trois beaux arrêts, mais sur le match, il fait deux ou trois erreurs, dont le but. Donc voilà, donc c'est pas le procès d'Alan Batman, mais voilà. Donc après, chaque entraîneur a ses joueurs, chaque entraîneur fait ses choix. Ça, c'est pas. Voilà, moi, je suis pas là pour parler des choix de l'autre sélectionneur. C'est son problème. Et en parlant, en fait, est-ce que vous pouvez nous parler de qu'est-ce qui s'est passé en 2014 par rapport pour quand vous avez remporté votre premier titre avec l'équipe nationale? Comment vous avez fait pour ce Brexit? Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, parlez-nous un peu de ce moment inoubliable avec les Sao. Ouais, bah rapidement. Bah, il y avait un groupe exceptionnel. Il y avait des très bons joueurs. J'avais récupéré des joueurs qui étaient pas au Tchad, mais qui n'avaient plus de contrat, comme Léger, comme voilà, 3-4 joueurs, Hassan Hissène, comme Mahamat Labo, qui n'avaient pas de contrat dans les clubs où ils étaient avant. Donc on a pu les récupérer et les faire signer à N'Djamena. Après, bah, on a eu la chance que un garçon comme Casimir explose sur la CEMAC, que le gardien aussi Dila fasse vraiment un super tournoi. Et puis on a fait vraiment une super préparation commando, que ce soit à N'Djamena ou que ce soit ensuite au Cameroun à Douala, et puis bah, après bah, en Guinée équatoriale, que ce soit à Bata. Mais à chaque fois on était l'outsider, et à chaque fois bah, on savait qu'on était, alors pas moins fort, mais on savait qu'on n'était pas favori, et que en ayant une condition physique exceptionnelle et puis bien écouter les consignes tactiquement, on savait qu'on réussirait à faire quelque chose. Et moi, avant de partir, j'avais dit aux joueurs qu'on gagnerait la CEMAC. On a vu que c'était. On a vu la foule qui est venue attendre les joueurs
à la place de la nation. On a vu vraiment, exceptionnel, c'était c'est de la folie. exceptionnel. C'était vraiment exceptionnel. C'était Ben c'est là qu'on moi, voit personnellement, qu'il y a vraiment des j'ai juste supporters et entendu que qu'il y les a Stories étaient vraiment en finale. un public. Je ne savais pas que les Sao avaient même joué la Coupe de la CMA, mais j'ai regardé cette finale à fond. D'accord. Ouais, donc, vous m'entendez? Ouais, c'est une Ouais. belle finale. Donc, Même la demi-finale c'était. qui est chez elle est favorite, bah c'était exceptionnel de les battre. Hein. En plus, voilà, c'est un fait de jeu, il y a pénalty, le gardien l'arrête, sur la relance, on marque. Bon, et puis comme je te disais, Casimir qui fait vraiment avec léger devant, qu'on fait vraiment. Et tous les autres joueurs qui étaient là, même ceux qui n'ont pas joué, même ceux aux entraînements, tout le monde se donnait à fond, tout le monde était content, tout le monde avait envie de jouer. Et puis il y avait vraiment un groupe extraordinaire. Et c'est ce que j'étais en train, bah, j'étais, nous étions en train de refaire avec le staff. Parce que quand on parlait aussi des détections, il faut savoir que sur l'île, bah, il y avait Kevin Nickès qui était là, il y avait un prépa physique, il y avait un analyste vidéo. Il faut savoir que pendant un an, on a travaillé avec un analyste vidéo après le match du Soudan, donc du Liberia jusqu'au moment où je pars. On a travaillé avec un analyste vidéo et avec qui moi je continue à travailler en France. Un préparateur physique qui était venu avec nous au Cameroun, qui est extraordinaire. Il y avait aussi Namdé que bon, voilà, j'avais voulu faire venir, mais sur le coup, on ne s'était pas très bien compris. Donc il n'est pas venu, mais il est venu ensuite pour les matchs contre la Guinée. Moi, mon objectif, c'était aussi d'intéresser les entraîneurs tchadiens. Alors, il faut savoir qu'au Tchad, les entraîneurs, ça ne les intéressait pas parce qu'ils étaient juste jaloux de Rolik, de Hamann. Voilà, donc notre travail, c'était nul. Tout ce qu'on faisait, c'était nul. Mais bon, ça, c'est pas grave. Mais par contre, des joueurs qui avaient été internationaux comme Namdé et puis Kevin Nickès, qui maintenant sont entraîneurs, moi, mon objectif, c'était de les mettre dans le staff et puis d'avoir un staff. Quand tu regardes le staff de tous les autres pays, ils sont 12, 13, 14, 15. Nous, ben, on n'était pas beaucoup. Et en 2014, c'était exactement la même chose. Donc voilà, donc l'objectif, c'était ça, c'était les joueurs, mais aussi le staff, de professionnaliser le staff. On avait un kiné, on avait un masseur, on avait un médecin. Et bon, voilà, on avait vraiment un staff aussi de qualité. Et petit à petit, on réussissait à faire des choses intéressantes. On a eu des équipements, chose qu'il n'y avait pas avant, des vrais équipements, parce que quand tu vois la beauté des maillots du Tchad maintenant, avec toutes les demandes qu'on a. On allait en venir parler de ça tout à l'heure. J'allais vous poser la question. Mais avant ça, je voulais savoir, tout en parlant de Casimir Ninga tout à l'heure, est-ce que vous entretenez toujours des relations avec ce joueur parce que, ou avec d'autres joueurs du chat? Parce qu'on a vu dans le reportage de beIN Sports et tout ça que voilà, vous avez aussi été là dans. Il a dit qu'il vous considérait comme un deuxième père. Tout à fait, ouais. Et voilà, vous parlez. Mais moi, je suis en Ouais. contact, alors, je suis toujours en contact avec les joueurs et moi, mon objectif, c'est d'aider les joueurs. Même si c'est ce qui a coûté mon poste avec ce qui s'est passé avec Foula et Bakit. Mais voilà, moi, je continue à faire comme ça. Les joueurs, dès que je peux les aider, je les aide. Si je peux les aider à trouver un club, ben, je le fais. Ça ne me rapporte rien, mais voilà, c'est mon métier qui est comme ça. Moi, je suis éducateur, je suis entraîneur, je suis là pour aider mes joueurs. Moi, j'entraîne à l'affect. Et donc c'est pour ça que je suis toujours en contact avec les joueurs au Tchad, les joueurs qui sont, comment on appelle ça, expatriés, voilà, comme toi, comme d'autres, comme tous ceux que j'ai eu l'occasion d'entraîner. Ouais. Voilà, donc on allait en venir. Et sur le coup, pour finir, en fait, pour conclure toute l'histoire avant de passer sur les solutions que vous proposez pour le football tchadien, le problème, brièvement, le problème de Barit et de Monsieur Foula et qui est avec le ministre qui a coûté votre poste parce que voilà, nos spectateurs ne connaissent pas ça en fait. Donc, si vous Ouais, pouvez mais nous expliquer brièvement. je vais pas en parler beaucoup. La seule chose, c'est que Bakit voulait venir jouer en France. Mon adjoint de l'époque, qui est Nicolas, lui a trouvé un club à Toulon. Il a été faire un essai, il était pris. Il avait un contrat intéressant, mais donc le club de Foula a demandé beaucoup d'argent, donc ça a été refusé. Ensuite, ils ont voulu le mettre à Nantes, mais avec un faux passeport. Donc ça, il faut le savoir quand même. Ils ont fait un faux passeport d'un joueur né en 2000, alors qu'il était né en 95. On est rentré au Tchad. Après, donc, Bakit voulait toujours partir en France. Alors moi, je lui ai trouvé un club régional, voilà, pour mettre dans les meilleures conditions, en lui disant, voilà, tu es là-bas 6 mois, 1 an, et puis au bout de 6 mois, 1 an, si jamais,
ça se passe super bien, bah, tu vas voler tes propres ailes et tu vas aller dans d'autres clubs. Mais tout en sachant que moi, personnellement, ça ne me rapportait rien du tout. Pas d'argent, et puis j'en voulais surtout pas, c'est pas mon métier. Voilà. Mais comme ensuite, il y a eu la phase finale du championnat et que le président Foula a voulu faire jouer Bakit, alors qu'il n'avait pas le droit, puisqu'il était licencié en France, tous les papiers avaient été faits conformément aux différents règlements, à tout. Bakit avait signé. Un peu de bulk. Allô? Allô? Tu m'entends ou pas? Ouais, ça a bugué un petit peu. Tu m'entends? Ouais, là, je vous entends parce que Ouais, bon, il y a là, eu un tout à l'heure, ça a un peu bugué. appel. Et donc, suite à ça, D'accord. Jean Foula a décidé de faire jouer son joueur sous fausse licence, puisqu'il n'avait pas la licence de Foula, puisqu'il était licencié en France. Donc, il y a des commissions qui se sont réunies, qui étaient, comment dire, les commissions de la fédération, hein, qui étaient là pour ça. Et puis, comme ça n'allait pas dans le sens de M. Foula et que, a priori, M. Foula est un grand ami du ministre, voilà, ça m'a coûté ma place. En ayant eu des Donc, menaces. sans rentrer, en fait, c'est, je sais pas, il y a des questions un peu, je sais pas, qu'on voudrait savoir, parce que l'équipe Nantes vous a contacté par rapport au Foula, par rapport à Mbakhit plutôt, et pour demander votre avis et tout ça. Et voilà, oh là, ça bug. Allô? Je crois qu'il a eu encore un appel. Allô? On attend qu'il. Allô, vous m'entendez, monsieur coach? Vous m'entendez, monsieur? Allô? Voilà, c'est Oui, mieux. en fait, oui. Il y a eu une coupure, on va dire. D'accord. Donc, en fait, on a entendu dire que Nantes vous a appelé pour avoir un retour par rapport à Boris. Oui. Et que voilà, donc on voulait. Qu'est-ce qui s'est passé entre là? Parce qu'on nous a entendu dire que voilà, vous avez rélevé le vrai âge de Barit, ce qui lui a coûté voilà, sa non-convocation pour les détections de Nantes et tout ça. Donc, c'était ça un peu notre question Bien par sûr. rapport à ça, Bah en quoi. fait, quand Jafet Endoram m'a appelé pour avoir des renseignements sur Bakit, donc il m'a dit, voilà, moi, Bakit, je ne le connais pas, qu'est-ce que t'en penses et tout. J'ai dit, moi, c'est un très bon joueur. Voilà, après, il me dit, bon, bah, comment ça s'appelle, le recruteur de Nantes va t'appeler. Je dis, OK. Donc, le recruteur de Nantes m'appelle, je le connais. Et il me dit, voilà, il y a Jafet qui m'a proposé un joueur. Qu'est-ce que t'en penses? Je dis, bah, moi, c'est un bon joueur, mais avec les professionnels, bah, c'est encore un peu juste. Et je dis ensuite, avec le centre de formation, il n'a pas le charisme. C'est pas un joueur qui va te. C'est pas un joueur qui va. Attends, quitte pas. C'est pas un joueur qui va entraîner le groupe. Voilà. Et il me dit, ouais, mais c'est pas grave, il a 20 ans. Et là, bah, moi, non, je peux pas. Là, moi, je suis entraîneur. Je peux pas cautionner quelqu'un qui triche sur l'âge. Ça a été pendant longtemps le fléau en Afrique où les gens. Voilà, changer les âges et tout. Donc moi, j'ai dit non, il a pas 20 ans, il a 25 ans. Moi, je l'ai eu en 2014 dans les U20, donc il a 25 ans. Donc voilà, et le discours s'arrêtait là. Il m'a dit bon, d'accord, merci. Et bon, lui, il a raccroché. Et puis après, voilà, c'était. Donc si des gens me reprochent d'avoir moi dit la vérité, il a pas 25, il a pas 20 ans. Donc moi, j'ai pas menti. Donc c'est à eux de se dire pourquoi ils ont menti. Et avec leurs, comment ça s'appelle, leurs amis en France et tout, pourquoi ils ont menti. Voilà. Mais depuis quand on peut mentir sur les âges? Voilà. Est-ce que c'est bien de tricher? Est-ce que c'est. Moi, j'ai jamais triché de ma vie, donc j'allais pas cautionner quelqu'un qui triche. Et si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. D'accord. Bon, tout est clair. Voilà. Donc voilà. Donc je voulais demander. Bon, selon vous, quelles sont actuellement les solutions par rapport à tous ces fléaux, pour tous ces maux que traverse le football tchadien? Quelles Oui, sont selon vous les les solutions? solutions, les solutions, c'est assez compliqué parce que, bon, déjà, comme je te disais, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais au-delà de ça, à partir du moment où certaines personnes qui sont en place ne voient pas l'avenir du football, mais leur avenir personnel, bah, je vois pas comment ça pourrait évoluer, tu vois. Après, de faire un comité de normalisation, c'est très bien.
Mais bon, moi, je connais pas les gens qui sont dedans, à part Jafet. Je n'ai même pas vu la liste et c'est pas très grave. Mais l'important, c'est de savoir si ce comité peut être reconnu par la FIFA et la CAF. Parce que si c'est reconnu par personne, ça va servir à rien, puisque le Tchad sera à nouveau suspendu et on va rien gagner. Bah, le Tchad va rien gagner. Toi, je dis encore, on va rien gagner, parce que Ah tu ouais, m'inclus c'est encore. l'habitude, ça. Tu Bah, c'est m'inclus encore dans normal. le projet du Tchad. Et donc voilà, c'est parce que je suis passionné, parce que voilà, le Tchad, ça a On a été vu très aussi, important pour en moi. parlant de ça, on a vu aussi votre livre parlant de victoire et turbulence, où vous parlez de Ouais, mais votre parcours. c'était il y a 5 ans. C'était il y a 5 ans sur le premier passage. Donc voilà, Ouais. ça Ouais. reflétait. Et là Donc, aussi, encore, dans il faut tous nos voir spectateurs, si toutes vous voulez le lire, le livre, vous pouvez le commander. C'est Victoire et Turbulence. Monsieur Lecoq, notre entraîneur, il a écrit. Il parlait de notre passage, de son parcours avec l'équipe nationale et tout, enfin, du football tchadien en général, parce que exactement. Mais voilà, bon, c'est je ce ne suis qui. pas à la publicité du livre. Hein. Ça, c'est toi qui le fais. Non, c'est C'est. moi qui le fais actuellement. Hein. C'est pas vous. Donc, c'est moi qui le fais à votre place. Personnellement, je l'ai pas lu, mais ça, tout ce qui parle du football tchadien est intéressant pour moi et intéressant pour nos spectateurs qui nous suivent parce que eux aussi c'est des passionnés du football tchadien Bien et sûr, voilà. Donc, pour finir, je voudrais savoir s'il y a des questions. Je vais demander à nos spectateurs s'ils ont deux trois personnes peuvent poser leurs questions. Mais pour finir, par rapport à nos équipements, je peux pas m'en passer de ça. On a vu avant vous que on a vu comment nos SAO s'habiller d'une manière vraiment football de la rue, on peut dire. Mais actuellement, on a vu des maillots Kipsta, des beaux maillots dignes d'une équipe nationale. Et les rumeurs courent que c'est vous qui avez fait toutes ces choses, en fait. Bah, c'est pas une rumeur, et puis bah, j'ai pas fait toutes ces choses. En fait, moi, j'étais mécontent des équipements qu'on avait parce qu'ils n'étaient pas de bonne qualité. On avait des survêtements qui étaient à la fois Adidas et Nike. On avait des choses pleines de trous, des choses, on n'avait pas à avoir le même équipement. Donc, avec le DTN, on s'était dit, on va essayer de trouver un équipementier en France. Donc, il faut savoir que bah, des équipementiers comme Nike, comme Adidas, bah, c'est compliqué parce que ils vont sur les grandes nations. Et puis, comme moi j'habitais à Lille, que je savais qu'il y avait Kipsta qui était à Lille, je les ai contactés. Je leur ai dit, voilà, il y a le Tchad qui cherche un équipementier, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer et tout. Eux, ils nous ont dit, bah voilà, nous on a des prix qui sont vraiment pas chers, donc on vous donne des échantillons, on vous fera un devis. Donc j'ai tout ramené au Tchad et j'ai mis la fédération et la société Kipsta en contact. Et après, moi je ne me suis plus occupé de rien. Suite à ça, la fédération a décidé que la qualité et le prix bah, valaient la peine qu'on travaille avec eux. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Suite à ça, comme avec la Covid, c'était compliqué. Moi, j'ai voulu organiser un stage en France, donc avec des joueurs qui étaient au Luxembourg, des joueurs qui étaient en France et en Belgique, et le staff. Et donc, on a fait un stage à Lille. Et comme eux, ils avaient leurs installations à Lille, ils nous ont prêté leurs installations, ils ont donné des chaussures aux joueurs, ils nous ont prêté du matériel et tout. Et suite à ça, il y a un designer et un styliste de chez eux qui ont dit, voilà, nous, on voudrait vous faire, parce que la fédération avait commandé 3 jeux de maillot, on voudrait vous faire vraiment un jeu de maillot atypique et puis vraiment spécifique au Tchad. Et donc, pendant qu'on était en stage pendant les 4 jours, tous les jours, on avait une réunion où ils nous présentaient différents modèles, différentes couleurs. Et nous, alors, j'y suis pas allé tout seul, hein, avec une ou deux personnes du staff. Il y avait aussi Monsieur Bakary à l'époque qui était bloqué en France avec la Covid et qui était bah, le représentant de la Fédé à l'époque et qui était là aussi, qui était venu voir le stage. Et il y avait des gens du staff. Et, bon, voilà. Et donc, on s'est mis d'accord sur 3 jeux de maillots, sur 3 couleurs. Et c'est eux qui ont fait. Et c'est avec ce jeu-là que l'équipe a joué comment que ça s'appelle La contre. Guinée. Donc Et malheureusement, ils n'ont utilisé qu'un seul jeu de maillot, puisque au match retour, ils auraient dû jouer avec les jaunes, mais soi-disant que la Guinée voulait jouer. Mais bon, quand on est à domicile, normalement, c'est nous qui choisissons. Bon, le Tchad, ils ont fait différemment. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que bah, c'était 3 jeux de 25 maillots, hein, il n'y avait pas 50 000 maillots, et que j'en ai déjà vu un sur une personne voilà, sur les réseaux sociaux qui se balade avec un maillot du Tchad qu'il ne devrait surtout pas avoir. Surtout avec tout ce qu'il a critiqué, insulté, donc moi, mais aussi les gens de la fédération.
Et du coup, il y a 25, il y a 3 jeux de maillot, 25, 3 jeux de maillot, c'est tout? Alors ça, c'est pour les jurés, mais après, il y a tout ce qui est pour les... Ça, c'est juste les jeux de... le jeu de match. Mais après, bah, il y a les sacs, il y a des sacs... En fait, le paquetage, c'était un sac à roulettes, un sac à dos, un sac cabine. C'était un survêtement de sortie, un survêtement d'entraînement, deux polos de sortie, deux shorts d'entraînement, deux paires chaussettes d'entraînement, deux maillots d'échauffement, un vêtement de pluie, un pantacourt. Voilà, il y avait 65... 65 packs. C'est-à-dire qu'il y avait 50 pour les joueurs et 15, pour le staff. Voilà. Donc il y a une partie qui est au Tchad, ou je ne sais pas, et il y a une partie qui est encore chez moi, puisque bah, ils doivent venir les chercher, les emmener, mais que pour l'instant c'est en France. On a vu Nosao s'entraîner avec des Adidas encore de Ouais, marché TP. mais alors que bah, tu sais, après le stage de Lille. En fait, à Lille, il y avait deux parties. Il y avait une partie de joueurs qui étaient déjà internationaux, Azraq, Morgan, Mahamat Labo, bah, le staff, Kevin Nickels, tout ça. Et puis, il y avait une partie de joueurs plus jeunes qui étaient à revoir. Mais tous ceux qui étaient déjà internationaux, je leur ai donné deux sacs d'équipement pour qu'ils les emmènent au Tchad la fois d'après où ils iraient. Sauf que, bah, comme l'organisation, c'est pas ce qu'il y a de mieux parfois. Bah, il y avait quelqu'un qui avait dit de ne pas les amener, qu'ils s'entraîneraient avec les vieux maillots. Bon, résultat, bah, il y a des maillots, des équipements qui sont un peu dans la nature. On sait pas. Il y en a eu beaucoup d'amener au Tchad. Ils ne s'en sont pas servis, même si parfois je vois des gens sur les réseaux sociaux avec même des maillots d'équipement. Et en fait, si tu veux, ils n'ont été faits que pour le Tchad. C'est-à-dire qu'un maillot, tu ne peux pas le retrouver autrement. Il n'y a pas de contrefaçon. Bah, il y a pas de, tu ne peux pas l'acheter pour l'instant. Donc, si tu vois quelqu'un qui a un maillot, c'est un maillot des 25 de la sélection. Voilà. Donc, quelqu'un à qui soit on l'a donné, qui l'a volé, qui. Je sais pas. D'accord. Bon, coach, je crois que vous nous avez tout dit. On attend juste deux questions de nos spectateurs. On va vite prendre D'accord. deux, trois personnes. Ouais, Après, deux, trois, essayer pas plus. de. Deux, trois, pas plus, s'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on va essayer de délibérer aussi les gens. Bon, je vais. Bonjour, monsieur Soga. On va faire l'heure, non? Bonjour. Tu as Bonjour, monsieur entendu le Soka. coach? Il veut. Bien Bonjour, sûr, bien et sûr. il nous reste 13 minutes parce qu'en 1 heure, Instagram, ça se coupe tout seul. Donc, on fait rapidement. Merci, c'est un vrai plaisir et une immense joie de voir à nouveau le visage de l'un des Français le plus tchadien Merci que j'ai beaucoup. connu. J'espère que tu vas bien. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour le football tchadien. Je ne vais pas mentionner les différentes détections en Turquie, en Europe, en N'Djamena, dans toutes les 23 provinces. Permettez-moi également de vous rappeler qu'il a initié un projet de développement avec l'association Foot for Tchad. C'est un monsieur qui a vraiment plusieurs initiatives pour le Tchad. Et moi, ça m'a fait beaucoup mal quand on l'a remercié en 2000, après la Coupe CEMAC. Et avec l'arrivée de Monsieur Mamadou Nassour, j'étais le premier à recommander à ce que vous veniez entraîner le Tchad. Et Dieu merci, il m'a écouté et c'est pourquoi vous étiez revenu au pays encore. Je me dis encore toujours, si j'ai l'opportunité une fois de plus, je vous ferai revenir au Tchad, même si ce n'est pas comme sélectionneur national. Au moins, vous gérez Soga, je notre vais pas te Académie couper, je vais nationale de pas te football. couper. Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question, j'ai oublié de la poser. Est-ce que si on vous rappelle une troisième fois, vous serez prêt à revenir? Ça, c'était la question, mais j'avais oublié. Comme ça, dans la foulée, vous me répondez. Il ne faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, ce serait compliqué. Bon, Mais on ne sait d'accord. jamais. On respecte votre décision. Mais moi, personnellement, je connais votre amour que vous portez pour le chat, hein. Donc, moi, je connais la réponse, hein, même si vous ne la dites pas. D'accord. On continue, Soga. En tout cas, c'est un monsieur qui dit toujours la vérité dans toutes les phases, dans toutes les questions qui concernent le développement du football. Il a toujours dit la vérité. Et c'est le seul entraîneur tchadien, c'est le seul entraîneur, hein, qui a pu donner le titre de la Coupe de la CEMAC, chose que beaucoup d'entraîneurs n'ont pas eu à le faire, malgré qu'ils avaient des joueurs de bonne qualité. Et peut-être la question que je vais vous poser, est-ce que
Vous pensez que votre départ, mon départ du ministère, le fait que Bakhit n'a pas voyagé, c'est un manque de vision à long terme ou c'est juste une guerre de leadership? Bah, comme je te disais, c'est un manque de vision à long terme, mais qui est justement provoqué par ce manque de leadership. Parce qu'en fait, moi, je n'ai pas peur de le dire, une personne comme M. Foula, voilà, c'est lui qui a instrumentalisé et puis le nouveau ministre, hein, parce que je ne le connais pas, on ne s'est pas beaucoup rencontré. Voilà, et je pense que ce sont des gens qui ne regardent pas l'intérêt, parce que c'est des gens qu'il faut savoir qu'ils sont là depuis déjà 20, 25 ans, 30 ans peut-être, mais ils n'avaient jamais rien fait. Et donc, ce sont des gens qui ne voient pas l'intérêt du Tchad, l'intérêt des jeunes Tchadiens, mais leur propre intérêt personnel. Un problème de connexion. Ouais, on n'entend plus, là. Ouais, c'est un problème de connexion. On n'entend plus. Allô? Allô, allô? Bon, je vais essayer de couper. Je vais prendre une autre personne. Je crois que vous l'avez même répondu. Ok. Allô, c'est bon, Sogar, c'est bon? Oui, Monsieur. peut-être la dernière question. Est-ce que vous pensez que avec la mise en place de ce nouveau comité, penserez-vous que le football tchadien pourra, n'est-ce pas, atteindre les équipes qui viennent de se Alors, qualifier? moi personnellement, j'ai peur que non, puisque. Ouais, mais alors, personnellement, j'ai peur que non, parce que ce comité va être reconnu par personne, puisqu'il ne sera pas reconnu par ni la FIFA ni la CAF. Après, il n'y a pas besoin de comité de normalisation pour refaire les terrains, pour aider les gens à voyager, voilà. Il faut savoir que l'entraîneur des Comores, c'est un ami à moi, je le connais très bien. Il est arrivé en 2014 comme moi. Sauf que lui, on l'a complètement laissé travailler. Il n'y avait pas de problème entre le ministère et la fédération. Il faut savoir que lui, il habite en France. Il ne va aux Comores que quand il y a des matchs et quand il y a des réunions importantes. Tous ses stages, il les fait en France. Il a zéro joueur comorien. Ils jouent tous en France ou dans un autre pays. Je remets Patrick. Alors, Donc voilà, bon, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a appelé c'est peut-être, compliqué de parce se que ça comparer se coupe. aux Comores, même ou à Madagascar pour l'instant. En tout cas, merci Sokar. Ok. Je crois que Merci. le coach t'a répondu. Merci à toi et à très bientôt. Merci, merci. On s'appelle. À bientôt, ciao. Merci. Au Merci. plaisir. Donc, on va Encore prendre une que. dernière personne. Ouais, une dernière. Est-ce qu'il Donc, est seul ça te déjà? charge. Donc une dernière question. Oui, bonjour, monsieur Mohamed Djibril. Bonsoir Omar. Bonsoir. Donc, avec nous, l'entraîneur Emmanuel Tribot. Donc, Ouais, c'est mon ami. Je suis à travailler avec lui en 2014. Je suis vraiment ravi de le revoir. tu peux te présenter à lui, hein. Quoi, c'est Mohamed Djibril. Le latéral gauche qui a évolué avec vous pendant nos deux matchs contre la Libye en 2014. Oui, bonjour. Oui, bon. Votre départ, nous autres, ça nous a vraiment choqués. Ravi. Donc, Thank you. Mohamed Je Djibril, ta question, pense que j'avais c'était quoi? J'ai déjà vu dans les une question. commentaires. Oui, Omar. Là où je suis, la lumière n'est pas trop frappante, mais bon. Non, je te parle des questions que tu veux lui poser. La liaison n'est pas très Oui, bonne. j'avais une question. Ma question est de savoir, lors de son passage à la tête de l'équipe nationale tchadienne, Oui. quelles sont les difficultés qu'il avait eu à rencontrer pendant qu'il faisait la présélection? Parce que au Tchad, quand on est entraîneur, on a la pression quand on fait la présélection, il y en a qui proposent les joueurs et tout. Je voudrais juste savoir quels sont les problèmes qu'il a confrontés, quoi. Je crois qu'il a un problème de connexion là. Ouais, Oui, coach, vous nous entendez? Oh là là. il y a Coach, un vous nous problème de connexion. entendez? Ouais, moi j'ai un petit peu entendu. Bah, en fait, moi, j'ai eu zéro pression. C'est-à-dire qu'on m'a invité un joueur et j'ai vraiment toujours fait la sélection que je voulais.
Je prenais les joueurs que je voulais. Les présélections, je prenais les joueurs que je voulais. Après, moi, je parlais avec mon staff et puis on échangeait, mais j'ai jamais eu zéro pression. Ok. Bon, merci beaucoup, Mohamed Djibril. Merci à toi. Merci. Merci. Merci beaucoup. La sélection est vraiment très mauvaise. On conclut cette émission. Merci beaucoup, coach Emmanuel Trégotte, d'avoir accepté notre invitation et Merci à d'avoir toi. échangé avec nous et parlé sur le football tchadien. Donc, en 2 minutes, un petit conseil pour les jeunes tchadiens ou pour les jeunes footballeurs. Et après, on vous laisse partir. Ouais, bah, continuer à travailler, continuer à être dans des académies, essayer de rejoindre des clubs et puis travailler. Après, partir en Europe, en France, c'est très très compliqué. On le voit déjà, même les joueurs qui sont en équipe nationale au Tchad, ils ont du mal à partir. Donc ne partez pas n'importe où, ne partez pas avec des agents. Voilà, essayez de travailler déjà au Tchad et puis en espérant qu'il puisse y avoir à nouveau un championnat et que le foot puisse revivre au Tchad. En espérant. Inch'Allah. Inch'Allah, ça Le c'est mot le de la bon fin. mot. Inch'Allah, Ouais. voilà, ça se dit que vous venez vraiment du Tchad. Bien sûr, Merci bien sûr. beaucoup, merci beaucoup, coach. Merci à Merci toi. d'avoir accepté encore notre invitation. Je vous remercie encore une Bien dernière fois. sûr. On reste en contact. Et merci beaucoup. Je vous laisse. Donc, merci. Au revoir. Merci à Au tous. revoir. Merci Ciao. à vous. Ciao. Ciao, ciao. Donc, ça a été Monsieur Emmanuel Trégouat avec nous, l'entraîneur de l'équipe, l'ex-sélectionneur de l'équipe nationale. Il nous a partagé ses expériences. Il a vraiment une très, très grande expérience. Si il voulait détailler, on allait faire 3 heures du temps à en parler. Mais ça nous a suffi pour donner encore une image du football tchadien, une idée et tout ce qu'il a vécu avec nous en tant qu'entraîneur et en tant que sportif et en tant qu'amoureux. Surtout, c'est un grand. Comme le Sogar l'a dit, c'est le français le plus tchadien. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est à travers le football. Merci beaucoup d'avoir assisté avec nous à cette émission. Peut-être la prochaine édition, la prochaine émission sera le dimanche peut-être, ou la semaine dernière, ou la semaine prochaine. On aura un joueur, normalement, ce sera une bonne surprise. On aura un joueur professionnel avec nous, un international tchadien. Qui nous a promis d'être là en fin de semaine. Mais on met du jour au lendemain, peut-être les programmes peuvent changer, donc je ne veux pas vous promettre. Mais cette semaine, on va finir avec un joueur international. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, il y a du lourd. Il y a du lourd. Et on va finir avec l'hymne national tchadien, comme à l'habitude. Merci à vous tous. Mama, désolé, je ne peux pas te dire le nom parce que c'est un suspense et je ne peux pas te dire un nom et après, peut-être qu'il ne pourra pas venir. Donc, à la veille, on va publier une affiche. Donc, soyez en contact. Merci beaucoup. Vive les sportifs tchadiens. Vive les amoureux du football tchadien. Vive les passionnés du football tchadien pour que vive le football tchadien. Merci à vous tous et à la prochaine.